Et bonjour le live, bonjour la rediff, et bonjour. Ça y est, aujourd'hui on est parti pour Extreme Rules. Alors on va attendre que tout se mette bien pendant les chargements. Voilà. Hop. Donc la dernière fois on avait vu la carte. On avait vu la carte. Alors nous avons l'Intercontinental Champion. Qu'est-ce que je raconte? Oui, ouais, enfin championship, c'est pareil. Champion intercontinental. Hop, on va enlever ça. Hop, hop. Voilà, donc nous commençons. Alors on va commencer par ce match. Après nous avons un match Diva, la championne Brie Bella contre Tamina Snuka. Attends, c'est elle la championne ou c'est Tamina? Attention, petit doute, on commence bien. Alors c'est où les champions? Ah donc, après le match US, pourquoi c'est pas des matchs Extreme Rules? Ah. C'est dommage. Ah, on pourrait les changer en Extreme Rules, vu que c'est pas des rivalités. On pourrait les mettre en Extreme Rules, bah c'est ce qu'on fera. Ce match-là, on pourra le changer si jamais il nous plaît pas. Ce match-là, on va le laisser tel qu'il est, un petit Falcon Anywhere, ça change. Celui-là, on peut le changer, mais il est pas mal, je pense. Et le dernier, il est bien, voilà. Donc ceux-là, on les touchera pas, vu que c'est des rivalités. Celui-là, on peut le changer, mais il a l'air pas mal. Et là, on va juste les mettre en Extreme Rules, c'est mieux. Donc, Kevin Nash, Biggie, donc. Si vous supprimez, je... Oui, mais attends, on va personnaliser. On va faire un contre un. Attends, attends. Match pour le titre, ouais. Kevin Nash, ok. Un contre un. Extreme Rules, ok, là, on est bon, là. Du coup, moi, je pas. Du coup, je prends Biggie. Enfin, je prends Kevin Nash et on affronte Biggie. Il est où? Où es-tu, Biggie? Il est là. Tiens, on va le mettre en original, ça fait longtemps. Ok, back premier match. Du coup, on a mis en Extreme Rules. Pour plus de. On va laisser en normal vu qu'on est en pay-per-view. On va commencer le match. C'est parti. Le premier match. Allez, les chargements de l'infini. Normalement, il n'est pas censé galérer. Y a pas de tenue, Biggie a sa tenue de base, là je l'ai mis pour changer. Ok, le champion qui arrive. Donc, par contre, je laisse pas les entrer non plus. Hein. Pour YouTube, des strikes sur YouTube. Voilà, je laisse juste le début. Le Biggie. Le Biggie. Ah, ça fait longtemps qu'elle a pas vu avec cette tenue. Et qu'il s'incruste dans les pay-per-view maintenant, lui, au calme. Pendant que ses coéquipiers galèrent à NXT, lui, sans pression, il vient au pay-per-view. C'est pour le titre. Donc on est bien en Extreme Rules. Là, on peut détruire son adversaire. Et Biggie va morfler. Si, je ne fais pas n'importe quoi. J'aurais dû m'entraîner un peu avant, tiens. Tiens! C'est moi qui ai mis le premier coup, c'est-à-dire que j'ai gagné. Ok. Ouh, il faut des réflexes, c'est vrai. Hop. Là. Voilà. On va attaquer avec des droites. Et ici. Tiens. Loupé. Génial. Là on est avec les contres. Pour l'instant c'est un match de contre. C'est chiant ce mode légende, c'est que des contres en fait. Ouais voilà c'est ça. Un match des contres. Ah bah c'est pas mal ça, ça marche bien. Apparemment l'attaque dans le dos Biggie. Hop. Allez mange un peu le coin, ça c'est bien. Oups, j'ai fait une soumission. Ouah! Elle a détruit sa manette, c'est parti. Ah d'accord, le gars il a pas du tout blessé. Ah, c'est génial! Allez, on va se mettre à courir. C'est pas du tout le truc de Kevin Nash. Oh, très très bien. Bah voilà, bah évidemment. Sinon, j'étais. Oui, évasion. Non. Oh là là, allez! Le cheatage. Évidemment, lui, ça marche mieux que moi. Oh, mais il faut défoncer les manettes, c'est pas possible! Contrer. Très bien. Mais.
Respecte-moi, s'il te plaît, Bibi. Ça ferait plaisir. Tiens. Mais. Ok, il est chaud. Attends, parce que si tu gagnes le titre, mon gars, c'est bon, ça va me saouler. Déjà que tu t'incrustes dans les matchs à l'arrache, t'as même pas de rivalité, le gars il arrive, et tiens, si j'avais un petit match. Et en plus, s'il gagnait, faut pas abuser. Tu vas galérer comme ton équipe. Ton équipe galère à NXT, toi tu galères là. Bon, t'as quand même le meilleur spot. Tiens, allez, on va sortir des trucs. Oh là là, qu'est-ce que j'ai. J'ai pris un truc au pif. Très bien, c'est pas grave. Tiens, ah bah cette game. Ok, c'est génial, mon gars. Tiens. Allez, tu me laisses prendre mon kendo. Voilà. Merde. Non, pas ça. Mais pas les escaliers, abruti. Non. Passe, pause. Par terre. Prends, vite. Mais prends le bâton. Mais pourquoi? Le jeu se fout de moi. Ça y est, ça commence. On a à peine fait le premier match. Le jeu, il est là. Non. Mais. Bon, bah, bâton, le kendo stick, tant pis. Bon, on va le taper un peu. Allez, envoie-le là. Hop. Ouf. Oh là là. Ah non, Biggie, t'as pas intérêt à gagner, hein. Mais vas-y, oh! Est-ce que ça marche? Oui! Allez, le kendo! Non, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Une prise. Voilà, ça va le calmer. Ça, c'est bien, ça se calme. Parfait. Prends le kendo cette fois. Oui! Oh là là! Attention! On va. Hein? Quoi? Bah alors, tu touches? Bah alors? Mais! Il est invincible! Ah voilà. Non, il est derrière toi. C'est pas les barricades ne t'ont rien fait. Ah, là, c'est bien, on peut le matraquer un peu, ça fait plaisir. Et Ah, j'ai plus d'endurance. Je fais pas gaffe à ça. Attends, j'ai plus d'endurance, on se rappelle. Ah, attends, tu vas sortir une arme, ça me plaît pas. Non! Ah, oh, salut. Allez, on se rappelle. Moi, je remonte. Trop lent. Non, trop lent, et le gars, il est déjà devant moi. Tape, tape. Oui! Ça l'a fait tomber. Allez, on va ressortir. C'était drôle. Le truc, c'est que j'ai plus d'endurance. Tombe. Attends, laisse-moi récupérer de l'endurance. On va faire un peu de provocation. Ouais. Attends. Bon, ça a l'air pas mal là. Allez. Eh hey, Biggie. Tiens. Tiens. Eh hey, tiens. Tiens, on va prendre les escaliers. Ah mais ça perd vite la barre d'endurance décidément. On met un coup, ça y est. On va quand même mettre. Allez, prends ça. Est-ce que ça monte si je tiens ça dans les mains? Ouais, ça monte quand même. Donc ça m'a fait gagner du temps. Debout. Ok. Non, j'ai rien fait, c'est pas moi. Non, on va pas faire finisher tout de suite, hein, on se calme. Ah non, tu ne vois pas, je ne suis. Bonjour, voilà, regarde-moi, voilà. Oh merde. Non. Non, oui. Ça c'est bien, ça c'est pas mal. Ça c'est bien, voilà. Ah, j'ai un coup spécial, j'ai pas vu. On va quand même le placer au moins une fois celui-là. Il n'y en a qu'un. Tiens. Voilà, ça m'a mis à terre aussi. Oh mais attends, on est en Extreme Rules, hein, moi. Je vais me faire plaisir, j'ai du finisher. Par contre, j'ai pas d'endurance. Je crois que cette endurance, c'est horrible en fait. Allez, on se calme. On attend que l'endurance remonte. Biggie, il va me faire tout le ring. Reviens là, t'arrêtes de chercher les objets 5 minutes. J'ai une table à te montrer. Non, mais sors pas tout. Ah, encore? C'est quoi? Oh, c'était. J'ai pas vu. Ah, c'est le sledgehammer. Ah, très bien. Aïe. Ok, c'est bon, j'ai compris, je peux pas. Regarde, viens, il y a une table, elle est jolie. Il est eu. Viens là. Ok. Oh, ça va être bien là. OMG, c'est parti. Oh, il va morfler. Là, Biggie, tu vas faire Big Boom là. Oh, quelle zone menu. Oh, oh, la power bomb. Elle était violente celle-là. Pouf. Ah, bah, il n'y a plus de table. Là, la table a disparu. Bon, Biggie, franchement, bon, après c'est le premier match. Hein. Mais là, allez, tu vas remonter sur le ring. Hein. Oh, on se calme. Eh, oh, t'es censé être assommé en train de mourir là. Hein. T'es pas censé être. Oh, tout va bien. Et c'est pas comme si je t'ai mis une petite prise. Là, je t'ai juste éclaté sur la table. Hein. Comment ça se fait que t'es encore debout? Bah, du coup, je vais t'attendre. Hein. C'est la technique d'attendre. Et dès que tu rentres, le gars d'air, il a rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quel handicapé, il faut aller le chercher quoi. Oh, y'a rien, tu prends rien et en plus tu tournes en rond. Ouais, oh, tiens, petit coup. Allez, viens. Vous pouvez te faire l'handicaper là. Hop. Vas-y, je vais t'achever. Tu ne gagneras pas le titre intercontinental hein, non plus. Sans pression, tu te fais des matchs. Allez. Si tu me contres. T'as compris ou pas? Ça m'a pas là. Je crois que c'est la fin pour Biggie là.
Et allez, boum, jackknife power bomb, c'est ça non? Ouais, je pense. Three, et voilà. Le premier match, titre conservé. Va falloir changer les prochains matchs pour mettre en Extreme Rules, sinon ils sont pas en Extreme Rules, c'est bizarre. Mais on va les changer. Ok, là, power bomb de ouf là. Oh, Nini en fait n'a pas fait en feu finalement, en y repensant. Ah oui, deux power bombs il a fait. Donc on l'a calmé, voilà. On va aller finir initié avec tes deux potes là et vous allez perdre. Oups, pas plus. Et il conserve son titre. De champion intercontinental. Ouais, pour l'instant Undertaker et Kevin Nash, il maîtrise SmackDown. Bon, Undertaker a pas défendu son titre encore, mais. Il maîtrise SmackDown. Donc on va sortir pour aller vérifier les matchs, parce qu'ils sont pas en Extreme Rules. Et on va les mettre en Extreme Rules tout simplement. Hop, le chargement. Le moment fun, ah voilà. Ah non? Ah ok. Alors? C'est quoi? Ah je crois que ça buguait, j'ai eu très peur. Ok, donc premier match, on est bon. Diva, est-ce qu'on peut changer Diva? Oups! Ah voilà. Est-ce qu'on peut mettre l'Extreme Rules avec les Divas? Un match pour titre. Elle est où? 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 Ah! Est-ce que. Ah, on peut faire des. Ah, je ne savais plus. Donc, c'est qui le. C'était Tamina en face? Donc on va prendre elle et. Elle est là. Ok, bah commencer le match. Hein. Donc le match des Divas, le match le moins intéressant de la soirée, MDR. Voilà la championne. Je sais plus quand est-ce qu'elle est devenue championne. Hein. Dans le jeu, je parle. En vrai, elle n'est pas championne. Heureusement. Tamina, oui. Il n'y a pas eu de match rivalité, du coup c'est des matchs un peu aléatoires là en fait avec Extreme Rules. C'est bizarre ces rivalités buggées là. Et les divas. Va laisser les présentations même si ça parle pas. Et il est tout petit le titre. L'intercontinental était un peu plus gros je crois. Ok, encore un petit chargement. Allez, c'est parti. Extreme Rules. Ah, j'aurais dû prendre Tamina en fait, mais bon, tant pis. Moi je contrôle toujours les champions dans les shows comme ça. Ah, il est où? Ah. Bah, du coup, je me suis fait avoir. Ici, oui, parfait. Allez hop, on va lui tordre le bras. J'espère que ce match sera pas trop long parce que c'est pas le match le plus intéressant. Là. Ok, ah, très bien. Oh non, c'est passé à côté la plaque. Oula, Tamina, attention. Alors, sachant que moi, à chaque fois que je fais un match des divas, je le perds tout le temps. Est-ce que je vais le perdre ce soir? J'en sais rien. Mais dès que je fais un match des divas, que ce soit en triple threat, un contre un, j'arrive à le perdre. Alors, j'en ai aucune idée comment je me débrouille. Si je gagne ce soir, c'est ma première victoire avec une diva, sûrement. Alors, après, j'abuse un peu, mais. Oh là, oh, doucement. Eh oh, doucement, eh, t'as des cheveux qui a bugué, mais c'est pas grave. Ah, mais non, je voulais pas monter. Je voulais prendre un objet. C'est pas grave, on va aller le prendre là. Vite. Vite, elle a une batte de baseball. Vite, 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 prends un truc. Vite, vite. Tu te bouges. Cours, cours, cours. C'était limite là. Tiens, pourquoi tu l'as lâché? C'est pas grave. Tant pis, on continue avec les mains. Olé! On n'a pas le temps de prendre les objets. Ok, mets-la à terre. Ok. Allez, on prend le kendo. Voilà. Non, il est de derrière. Elle est derrière toi. Non, elle est devant toi. Voilà, ça c'est bien ça. Ah oui, je l'ai trop percé encore. Ah, c'est mal fait. Voilà. Dans le ventre. On va faire un peu partout. Les jambes. Ah, j'ai tout. Ah, j'ai le coup spécial. Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, jamais joué avec elle. On apprend des choses. Elle a pas le coup de genou, je sais pas quoi là.
Je sais, ce finisher, je vois ce que c'est, mais on va pas le faire tout de suite. Mais c'est quoi le c'est un bon jeu. Une prise normale. Ah! Yo! Hey, commence pas à m'enchaîner parce que c'est comme ça que je perds en fait. Je veux toujours tenter une prise en fait. Ouais, c'est bon, j'ai compris comment je perdais. Parce que là, logiquement, je mets le finisher et je pense que c'est gagné, mais. Je veux mettre le coup de genou! S'il te plaît! Je n'arrive plus à contrer. Ah, quand même! Attends, je veux. Mec, je vais essayer quand même. Alors. Viens. Elle veut pas, hein. Eh, hey, elle est dissidente, c'est pas possible. Tu obéis à la championne. Voilà. Est-ce que c'est ça? Eh non, elle m'a contré. Tu peux me laisser faire une prise? Allez, rentre dans le ring. Rentre dans le ring. Qu'est-ce que tu sais? Attrape-la. Remets-la là. On va y arriver, hein. Est-ce qu'elle va me re-rencontrer? C'est pas possible! Bon. C'est. Eh! Ça fait 4 ans que j'essaye de mettre une prise. Allez, dernière fois. Okay. Bah, pas du tout, c'est encore pire. Et carrément, je te compte dès le début. Y a plus de respect là. Oui. Donc, du coup, je vais réussir à perdre en faisant ça, moi. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On sait pas là. On sait pas trop. Même elle sait pas. Oh! Elle a pris un objet! Cours! Comment tu m'as eu là? Attends, peut-être. Eh! Non! Mais non! Mais non! Mais non! Non! Eh! Tu deviens dangereux. Mais je t'ai tapé! Mais putain, elle a pas le bras assez long aussi. C'est pas de ma faute. Elle est en train de mourir là. Ok! Mais. Ah, quand même! Mais pas. Tu veux jouer avec un bâton, tiens! La vieille, bâton. Bon, est-ce que je veux mettre le coup de genou? Normalement. Non. Non, pour la seule fois que je joue avec Brimella. Oh putain, mais c'est pas possible! Eh, c'est. Ça devient relou là. Mais. Je fais une prise, j'ai pas. Elle est contente. Puis. Elle a pas. Non, on va pas chercher des prises. Eh, debout! Non, j'ai pas dit mets-la à terre. Attrape-la. Voilà. Et ça se trouve, c'est pas du tout là la prise. Eh mais c'est pas possible! Ça fait 5 fois, 4 fois ou 5, je sais plus que tu me comptes, évidemment. Moi, je ne compte plus à force. Mais ok, bon, on va essayer de finir ce match parce que là, j'arrive pas. Ouais, bah, ouais. Ouais, parce que là, pour finir, c'est simple, voilà. Je pense que là, c'est fini, mais bon. Tant pis, j'ai pas réussi à mettre la prise que je voulais. Je l'ai essayé 5 fois déjà, pas abusé. On va pas mettre 3 heures pour une prise. Allez. 1, 2, 3. Ouais. Bon, cette fois, j'ai joué à la sécurité. Première fois que je gagne avec une diva, décidément. C'était pas vraiment un match intéressant, finalement, hein, comme je vous l'ai dit. Si ce n'est le match le plus pourri, pour l'instant. Ouais, t'as le titre, c'est cool. Sortir. On va remettre du Extreme Rules. Sinon, bon, c'est des matchs normaux et c'est nul. Hop. Chargement. Allez. C'est long. Allez. Voilà. Donc, chez César. Ah, là, c'est mieux. On va juste le mettre en. Hop. Personnalisé. On va juste le mettre en. C'est qui le champion des Chemos ou quoi? Chemos. Un contre un. Du coup, qui sait comprendre ça? Non, pas normal. Non. Bon, ça brûle. Bah non, Cesaro est champion tag team. Déjà, on va éviter de le surbooster. On va prendre Sheamus vu que je contrôle les champions déjà. Il est où? Cesaro. Oh là, attends, trou de mémoire. Il est par là, je le sais, mais non, il est juste là, voilà. Tiens, on va le mettre en original. Vu qu'il est tout le temps en version avec Tyson Kidd pour changer. C'est bien ça. Allez, c'est parti. On va pas attendre plus longtemps dans les menus. Dans les menus. Sheamus versus Cesaro. Ah là, ça va être un peu plus violent comme match. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le Sheamus d'aujourd'hui. Ça c'est bizarre. Eh mais attends, il a jamais perdu de titre dans le jeu, lui, je crois. Je crois, je suis pas sûr. Ou alors il l'a récupéré entre temps. Cesaro, non, il l'a pas eu dans le jeu. L'alarme. Ah
US. Ouais. Ah oui, les ceintures sont plus grandes hein, pour eux. La ceinture des divas était bien toute petite. Attends. Ouais, non, non, c'est plutôt aussi. Ouais, non, c'est bizarre. Des fois, on a l'impression qu'elles sont grandes et tout, là, on a l'impression qu'elles sont petites. Ouais, ça doit être une impression, ouais. Chargement de la mort. Ok, c'est parti, baston. Ok, alors je me fais. Ouh là là, ça commence déjà à se montrer. Ouh là là. Bah alors. C'était un début contre deux contre. Allez, on commence déjà à y aller violent. Oh là là. Ouh là. Oh, je l'ai contré. D'accord, je l'ai fait rouler et tout. Il va être bien ce match là. Voilà. Oh, l'envoyer là. Hop. Ah bah on commence avec rien du tout. Il nous a contré. J'ai l'impression que dans les cartes, c'est impossible de faire des prises, ils contrent tout le temps. Hop, une petite épreuve de force quand même. Ah. Le manque de respect. Hop. Ah, oh quoi? Oh, il m'a contré. Oh, oh là là, ils sont rentrés dedans. Oh, oh là là. Oh, je l'ai pas contré. Du coup, il va m'enchaîner la souplesse. Souplexe, souplexe, par exemple. Ok. Oh là. Oh, César qui revient là déjà. Je l'ai contré. Eh, hey, salaud. Oh là. Oh, ça fait bien mal ça. Ah. Non, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il monte? Attends, calme-toi. T'es pas voltigeur à la base. Ah, je vais faire le coup. Oh là, je vais me faire contrer, oui. Ah, bah du coup, si je peux pas le choper, c'est pas drôle. Ah, bah il m'a contré. On va comme ça. Hop, Seamus, hop. Non, César, pousse-toi. Contrer. Non, j'ai fait 3 jours en avance. Ça marche pas vraiment. Eh, j'ai l'évasion ou pas avec lui? Pas du tout. Attention, attention, il est déjà là. Oula, il est. On ne peut pas taper. Ah, très bien. Ouf. Ouf. Ouais, en plus il m'enchaîne, le gars. C'est le coup spécial ou juste la prise normale, ça? C'est la prise normale. Sinon, tu me défonces. Voilà, il me traîne, mais. Ah, il me respecte plus, là. Je n'arrive plus à contrôler. Il me respecte plus, il marche dessus, il me traîne. Ah! Un peu de retour. Hop. Viens ici, tiens. Soumission. Clover, ouais, je sais plus c'est quoi le nom. Tiens. Hop, est-ce que je peux t'enchaîner moi aussi? Peut être bien. Ok, on enchaîne, allez. Viens. Et deux. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Allez hop. Heureusement que j'ai pas fait toutes les voix de cordes vocales de ma voix. C'était long sinon. Oh, je peux le taper ici. Ah très bien. Tout ça pour me contrer. Ah non, là, c'est plus rapide. Ah tiens, un petit coup spécial. Ah, ça fait un moment. Hein. On va t'éclater dans le sol. Viens. Alors, qu'est-ce qu'on peut sortir? Ta 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 ta. Alors, que. Tiens. On va prendre une petite table. En bois cette fois. Hop. Viens. Quoi la table? Oh là là. Ramasse-la. Comment ça se fait qu'elle est tombée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu la prends? Qu'est-ce que tu fais? Ah. Pause! Vite! 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 Non, c'est bon, ils s'en foutent. Eh, César! Alors? Il est là, tu le vois pas? Mais attends, mais je le tape depuis. Ah, quand même! Mais. Oh, mais c'est pas possible, arrête de me ramener dans le ring! Et. Tout ça pour. Tape-le! Ok, c'était génial. Non, attends, César! Oh, j'aurais pu soulever. Ouais, non, j'ai pas eu le temps. Ah mais il m'enchaîne, il veut pas casser l'étape, il a son. Non, mais non. Allez, allez, et 2-1. Allez.
Et deux, et presque deux, allez, deux. Et il m'enchaîne. Ah, je me fais défoncer. Oh là là, mais attends, il va falloir que je lâche un bon kick là en fait. Il veut pas faire du spectacle, Cesaro. Attends, que je lâche pas tout. Attends, là il serait temps de fuir un peu. Ah bah il fuit tout seul. Bah, c'est cool. Écoute, moi je vais préparer mon terrain en attendant. Bah on a déjà la table en fait. Oh, attends, il avait écrit un beau truc là. Alors, après tout, hein, allez. Ah bah MDR. Et. Ouais, c'était. On n'a rien vu. Tu n'étais pas dans la table. Il a sorti une échelle, le gars sans pression. Eh, viens là, je vais te mettre. Je vais te faire mal. Enfin, par contre, la visée, j'aimerais bien pas me chier. Du coup, on va se mettre ici. Et. Quoi? On m'a arnaqué, je peux pas. J'ai plus de finisher? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non! Mais non! Mais j'étais censé avoir un finish. Quoi? What? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais un finisher. Me dites pas que ça utilise un finisher entier quand on fait enflammer. Ah, si je savais ça, tiens. Mais avant, ça utilisait pas de finisher. Et en plus, la table, elle s'est cassée. Donc en gros, j'ai niqué mon finisher tout seul. Oh, c'est génial. Mais c'était pourri. Mais la table aussi, si elle arrêtait pas de tomber. Oh, elle était toute molle. Ah, oh, mais c'est pas drôle là. Tu m'as arnaqué, Cesaro. Hey, pourquoi je peux pas te... Il est trop loin. Non, monte pas, monte pas, monte pas. Attends, il va se relever là. On va essayer de le choper. Tiens, parfait. Le coup de bélier. Par contre, ouais, j'ai plus de. Ouais, c'est la galère. Ah, la revanche. On va attendre avant de la mettre. Bon, bah, du coup, on va se rabattre sur l'échelle. Ah, je voulais mettre la prise finale sur la table, moi. Oh, en faire gaffe, il a un finisher. Celui qui me porte, et j'ai perdu, je crois. Hein. Vu comment je suis doué avec les tombées. Ah, il a pas envie de jouer avec l'échelle. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Parfait, hop, moi, je te prends à côté. Allez. Mais c'est pas un match d'échelle, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, j'ai un coup spécial. On va placer le deuxième, c'est parti. Oh non, non, c'est pas possible. Non, Cesaro. Mais Cesaro, t'es méchant quand même là. Hein. Tu m'as pas respecté quand même. Ah, je crois que c'était un finisher. Ah non, c'est tout aussi chiant. Oh ah non, je préfère perdre ce refus. Vite! Ah, j'ai pas le temps de l'activer. Sinon, Cesaro, alors, bah, moi j'y vais. Allez hop. On se calme. T'as deux finishers. Tu m'en portes un, j'ai perdu. Oh, j'ai esquivé l'échelle. Viens ici! Quoi? Mais pourquoi je le transperce à chaque fois? C'est n'importe quoi ça. Viens! Ah, je vais t'éclater en la table avec une prise n'importe laquelle, c'est parti. Non, je veux pas l'échelle. Pose cette échelle, Sheamus, pose. Voilà. Il a posé à l'arrache, mais c'est pas. Mais pousse-toi, je veux passer! Oh, voilà, ça peut être bien, une German suplex. Est-ce qu'il a une German? Ok, très bien, c'était génial. Eh, salut, je passe à côté. Non, je passe à côté, c'est tout. Voilà. Ah, mais j'ai plus de. Oh! Ok, la visée est géniale. Ah, j'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance. Bon, on va attendre. Il va me dégommer. Allez, debout. Je ne sais pas quelle est cette prise, j'en sais rien. Enfin. Ah! J'aimerais bien t'éclater sur la table, mais je sens que ça va foirer. Et c'est moi qui vais finir dessus. Comment je peux faire? Ah! Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est un bon début. Est-ce que la visée est. Mais pourquoi je peux pas tourner? Mais. On m'arnaque, là on m'arnaque, c'est pas possible. Ah, j'ai mon coup spécial. On va y arriver. On va y arriver. Oui, mais sauf que c'est sur le genou. Bah ouais, du coup la table elle casse pas. Ah, je vais te mettre le finisher, mon gars, ça va te calmer. Mais il va. Je vais pas enflammer cette fois, je me fais plus avoir. Ça va encore m'arnaquer mon finisher. On va pas faire le broad kick, mais on va faire l'autre finisher. Est-ce qu'il l'a encore dans le jeu? Oui! Ah! Ah, enfin un truc bien. Parfait. Et bête pas, j'en ai marre. Le jeu, il en a rien à foutre. Le jeu, il veut pas. C'était censé être le meilleur match. Le jeu, il regarde et fait non, maintenant, moi je vais te le ruiner. Oh là là, mais c'est pourquoi la table. Mais c'est censé être en 1000 morceaux. Pousse-toi, du coup. Bon, je vais casser ça, moi, écoute. Hein. On va se rabattre encore sur un troisième truc. Mais je vais perdre à force de faire le con. L'autre, il va. Oh là là. Eh, c'est chiant, hein. Allez, viens. Je peux te faire une prise au moins comme ça. Ah non, il faut vraiment un finisher. Eh, je vais chialer, hein. Eh, ah, allez, cette fois tu l'éclates. Oh oui, enfin! On a éclaté la table. Voilà, je peux te taper avec la batte de baseball, je suis content. D'ailleurs, je sais même pas depuis quand elle est là, cette batte de baseball. Tiens. Pfff. Allez, viens, on monte. Non, calme-toi, calme-toi. Voilà, donne-lui la balle. Bon, du coup, la table, on s'en fout, mais sauf qu'il a deux finishers. Je voulais pas monter, mais c'est pas grave, on va aller
prendre l'échelle. Ah, dommage, j'aurais eu assez de finishers, j'aurais fait les barricades et tout, mais. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a contré deux finishers quand même. C'est un. Ou un. Non, un, il m'en a contré un. Eh, j'entends de bugger. Ah. Debout! Tiens! Tiens! Ouh, ça, ça fait bien mal, ça, apparemment. Et arrête de la poser comme ça, les chevaux. Alors, Cesaro, t'es dans la galère, apparemment. Vas-y, je vais t'attaquer un peu les jambes. J'aimerais bien t'achever avec un bro kick, du coup. Alors, ce serait sympa de venir dans le ring, mais bon, tu vas me contrer parce que le jeu est un peu méchant aujourd'hui. Oula, j'ai plus de. Attends, on se calme. Attends, attends, attends. J'ai plus de. Plus d'endurance. Voilà. Laisse-moi juste le temps. Oh, revanche. Ah, ça serait. Non! Oh là là. Sheamus, tape. Non, la revanche de vous, c'est pas top. Le temps qu'il fasse la provoque, il va se relever. Non, non, mais non. Ah, ça, ça va me jouer des tours. Non, c'est bon. Oh, la dernière fois, je voulais mettre un coup spécial. C'est parti. En revanche, j'ai perdu. Ok. Et là. Et là, on galère. Ouais. Et là. Et là, on va faire comme en vrai. On se met dans le coin. Et c'est parti. Boum. Boum. Est-ce qu'il va me contrer? Eh oui. Et voilà, c'est la fin du monde. Non. Non, mais je suis nul en tombé. Oh là, c'était limite là. Revanche. Allez, Sheamus, tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire en fait. Là, t'es foutu, mon gars, t'as perdu le titre. C'est bon. Je suis désolé, Sheamus, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Comment dire? Comment dire que là, Cesaro est un peu contre. Comment ça, il n'y a pas contré? Mais non. Merci d'avoir joué. Merde, j'ai niqué la game. Oh, le match, mais. Ouais, j'ai perdu là. Si j'arrive à me relever du tombé, c'est par hasard alors. Le gars, il a 3 finishers quand même. Il est sans pression là. Comment. Ouais, non, bah là, si je. Je vais pas me relever là. Je suis pas doué au tombé. Bah ouais, mais je suis une merde, putain. Oh là là. Bon, voilà. Il aurait pu m'achever avec un finisher quand même, mais il m'a tout contré. Je crois qu'il m'a contré, ouais. Il m'a contré 3 finishers, oui, c'est ça. Tous les finishers que je lui ai mis, tout simplement. Voire même tous les coups spéciaux, mais non, j'en ai mis quelques-uns. J'ai réussi à mettre. Voici un finisher, j'ai réussi à mettre tout à l'heure, ouais. Sur la table. Oh là là, la caméra est très 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 bizarre. C'est quoi cette forme de caméra? Donc le powerbomb, vu bizarre sur la table. Ouais, finir, la caméra est bien comme ça en fait. Et là, il m'a achevé, ouais, il m'a achevé avec ça en fait. Ouais, il aurait pu m'achever avec un uppercut ou un truc de genre, mais bon. C'est le jeu. Du coup, Cesaro devient l'homme qui a champion tag team, champion US. Tout va bien, j'ai envie de dire. Au calme, ça va. On n'a pas trop de titres. C'est le bordel. C'est le bordel. Parce que Cesaro, il est pas SmackDown. Non, il est à Raw. Bah non, s'il est là, c'est qu'il est à Raw, oui. Enfin, s'il est là. S'il est champion US, c'est qu'il est à Raw, normalement. Oh là là. Donc, chargement. Alors, ça va remporter. Ah oui, donc, il n'y a eu que ça. Du coup, ah oui, ce match. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on change de match? Ça, c'est une question. Si on change de match ou si on laisse ce match comme ça. Merde. Je suis parti où là? Je voulais voir en même temps. Ouais. Oui, je regarde en même temps les trucs. Ah. Bon, du coup, ouais, on laisse le match comme ça, je pense, c'est pas mal. Allez. On va le laisser en mode normal, ça va faire un petit match. Un petit match de plus. On va le mettre en rapide celui-là. Ouais, en rapide, comme ça, ça fait un petit match entre temps. Entre deux matchs, quoi, c'est bien. Je sais pas comment dire ça. On se calme, faut rentrer. Del Rio. On va prendre Roman Reigns. Roman Reigns. Reigns. Ok. Roman, rapide. On va essayer de voilà, faire des matchs à la Roman Reigns, des matchs rapides. Eh, je te tape. Donc là, ça pourrait être le match aussi hardcore que l'autre. Mais qui fait pas extrême rules. Là, c'est.
Ouh là là, Del Rio, on se calme. Ah mais attends, Del Rio, dans le jeu, il a chuté si bas. Au début, il était champion poids lourd, je crois. Et depuis, il fait une descente aux enfers. Ah, j'avais presque oublié qu'il était en jeu. Ah merde. Ah, j'ai contré, mais il a rien fait, c'est génial. Hop. Hop. Ok, pour l'instant, ça passe. Ok. Là, ça va être une sorte de squash, le match. Ah, squash, squash. C'est pas un no match parce qu'il a quand même contré au début. Oula. Eh oh. On se calme. Tiens. Le projeter. Ok. J'ai du mal, mais comment je galère avec ces touches? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Hop. Voilà. Ok, il est enfin dans le zone. Ah, on s'énerve dessus. Oh, je suis passé à côté. Oh, je l'ai touché, je sais pas trop comment. Eh mince, j'ai fait la provoque. La provoque du Superman Punch, attention. Superman Punch, allez. Est-ce qu'on va l'achever déjà? Avec le spear. Attention. S'il va contrer. Non. Est-ce qu'il a perdu? Aucune idée. Ouais, fais le tomber, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Allez, on se pose. Dessus. Un, deux. Oh non. Oh, et oh là. Et oh. Oh là. Je commence. Ils sont résistants ce soir. C'est pas possible. Même en match rapide, les gars, ils veulent pas. Hein. Peut-être que c'est l'effet pay-per-view, Extreme Rules. Ça leur donne un bonus. Non, je raconte n'importe quoi. Mais décidément, ils sont chauds. Il fait un truc à la CM Punk comme la dernière fois. J'ai l'impression que c'est que deux finishers, le gars était là, non, tu perds pas. Allez, petite souplesse. Bah il va falloir lui mettre un deuxième spear pour le calmer. Pourtant on est en train de le dégommer quand même. Comparé à notre vie. Il est encore dans le vert. Hop. On prépare le Superman Punch. Le deuxième. Allez Del Rio. Viens te battre. Hop là. Et c'est parti. Alors on va faire le finisher chargé cette fois. Attention. Et le deuxième spear. C'est parfait. Et pas de rebreak. Hein. Et un, et deux, et trois. Voilà, c'est ça c'est fait. Et le spear. Donc ça c'était le match rapide. Match rapide même. Hop. On met des spears. Et la victoire de Roman Reigns. Donc une victoire, bon, qui mène à rien, on va dire, puisqu'il n'y a pas eu de titre en jeu, de choses, de quoi que ce soit. Et là, par contre, on va enchaîner avec le plus gros match, enfin un des deux gros matchs de la soirée. Le premier main event, on va dire. Même si pour moi, ça aurait été le dernier match pour moi. J'aurais mis. Normalement, et ça, c'est le très très gros match. Enfin, quoi que les trois matchs qui suivent, c'est des gros matchs en fait. Il y a un match bon, qui sert à rien dans le tas, mais qui est un gros match quand même. Donc voilà, le Falcon Cuts Anywhere, Rocky Undertaker, rien que ça. Il y a ce match aussi là, qui va être chaud. Même s'il n'y a pas d'enjeu, il va être chaud. Et ce match. Ok, c'est parti, on part sur le gros match. Les trois derniers. C'est parti. J'ai limite envie de le mettre en mode lent. Non, ça va être trop lent. On va laisser en normal, parce qu'après, de lent, on fout. Allez hop, The Rock. Presque plus de bombes. Alors on va se calmer sur les entrées, comme je dis à chaque fois. Undertaker. C'est assez long son entrée, donc bon. Match pas lourd. Est-ce que j'ai le temps de boire un coup? J'en ai aucune idée. Ah non, je déconne. Sans pression.
Ok, alors. Ah, celui-là, il est mieux, il est mieux fait, il est plus gros. Tout à l'heure, ils étaient un peu petits, les titres. Alors qu'en vrai, ils sont si petits, peut-être, j'en sais rien. Allez, c'est. Ah merde, je prends qui? Ah, bah le champion, Undertaker, hein, je pense, ouais. Allez, match normal, c'est parti. Oh, bah, MDR, j'ai tapé à côté déjà. Il a fermé les yeux quand il a tapé ou quoi? Ok. Ok, oh là là. Oh là là, oh là, le match serré déjà. Et les épreuves de force déjà. Ok, classe. Ok, ça c'est bien ça. Le bras, ok, c'est parti. C'est bon les épreuves de force ça? Non, ça a pas l'air d'être fini, je pense. Ah, oh, je l'ai surpris. Ah, pas assez. Hop, les petits contres. Eh ben, décidément, c'est. C'est le gros match là. Allez, tiens. Oh, ça a calmé ça. Oh, le manque de respect. Le gros manque de respect. Ouh. Attention. Hop, ça surprend. Allez, viens là. Viens là. Attaque la tête. Tiens. 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 Ah, merde. Ah, par contre, je crois que j'ai fait une erreur. Ah non, on est en fin de compte anywhere, donc c'est bon, on peut utiliser les objets. En plus, c'est une match de rivalité, donc c'est pour ça que j'avais un doute. Faut pas que je les change, sinon ça. Ça dégomme tout. Ça nique tout. Ah. C'est pour ça que les autres matchs, je me suis permis de les changer, vu que c'était pas des matchs de rivalité. On a eu de la chance. Ok, j'ai compris. Ça aurait été des matchs de rivalité, j'aurais pas changé. Mais bon, vu que c'était pas des rivalités. Parce que les rivalités sont pas mises à jour. Mais là maintenant je pense que ça va être bien. Vu qu'elles sont parties pour être. Oh là, attention. Ouh attends. Le choc sème, c'est bon. Ils sont partis pour être bien les rivalités. Hop. On va pas lâcher tout de suite, hein, même si je doute que ça va marcher. On va faire un peu quelques prises quand même. On va. Ouais voilà, tiens, ça c'est bien ça. On va se déblesser un peu toutes les parties. Hop. En plus c'est un Falco Tenuer, on va les doigts aussi. Là on lui attaque un peu tout, c'est bien. Un peu à la Randy Orton. Bien accouché. Il est déjà dans le orange quoi la tête. Hop, on recommence. On attaque les bras. Oula, mon endurance. Ah bah monte pas, bon bah tant pis. Ouf, oh je l'ai pas eu. Je l'ai contré. Ah j'ai plus de. On va quand même le mettre à terre. Ok. Parfait. Par contre, ouais, voilà. On attend. C'est bon, c'est pas mal. Tiens. Oh, on a déjà le deuxième coup spécial. Eh ben, on va déjà lui mettre. Est-ce qu'il va me contrer? Last ride. Last ride. J'ai plus de voix, pas. Eh oui, Rocky. T'as pas envie de combattre? T'as pas envie d'avoir le titre? Attends, avec César au schéma, j'étais en train de galérer, j'ai même perdu. Mais là, ok, très bien, c'était génial. Là, par contre, il y a limite pas de résistance quand même. La limite, l'IA, il a pas envie de jouer. Ah, quand même, il y a un peu de rébellion là. Ah, peut-être après là? Ah, déjà, j'arrive plus à contrer, c'est, je fais n'importe quoi, moi. Mais, il se fout de moi! Ouh! Undertaker qui s'est relevé en mode pas content. Et quand il est pas content, il fait ça. Allez, et tu dégages dehors. On va aller finir le match dehors. Tiens. Et hop. Oh quoi? Oh l'enfoiré. Oh là là. Oh il m'a défoncé. Je me suis. Ouf. Ouh. Ouh là là. Oh il recontinue, il va plus s'arrêter. Ouh là là! Ok, c'est bon. Il m'a fait très peur là. Tu me fais peur, Rock là. Eh, comment je vais. Je sais pas si je peux utiliser les objets, j'ai un gros doute. Dans le doute, on va pas le faire, mais bon. Je pense que je pourrais, mais. Bah ouais, vu qu'il y a pas, on n'est pas décompté, il n'y a pas de disqualification. Mais j'ai un doute quand même. La dernière fois que j'ai eu un doute, c'est bon, ça va se couler, perdu. Ah, ouais, non, non, je veux pas tenter.
n'a pas besoin d'armes de toute façon avec Undertaker. On n'a pas besoin d'armes, on a juste besoin que l'adversaire se relève, ça serait pas mal. Ouais. Ok. Allez, viens là, on va faire une spéciale Undertaker. Hop. Le petit coup de coude. On remonte. Et une descente. Et une. Est-ce que j'ai le temps de genre faire ça? Non. J'aurais pas le temps. Ah, si, peut-être. Non. Ok. Bah, MDR, relève-toi. Parce qu'au sol, c'est moins réaliste, debout. Voilà, vas-y, va faire le tour, moi je t'attends. Je suis tranquille là. Attention! Ouf! Ça c'est bien. Attention! Ah, je suis pas mal là. Debout! Je me mets bien devant lui. Ah! Mais il me contre pas. Et tout à l'heure, on me contrait tous les finishers, tous les coups spéciaux, et lui, il veut pas. Hein. Il veut pas du tout contrer. Bah alors, je vais quand même t'achever à l'extérieur du coup, mais bon. Ah non! Il contre, ça y est. Arrête de contrer. Voilà. Mais ici. Parfait. Voilà. Ah, je ne peux plus le refaire. Dès qu'on l'a fait une fois, on ne peut plus le refaire. Très bien, donc j'apprends des choses. Et du coup, je ne sais plus quoi en faire de Rock. Écoute, hein, on va se faire un petit OMG ici du coup, en remplacement. Bim! Ouf, ça c'est mal ça. Et écoute, je vais t'achever en tombstone ici, hein, moi. C'est parti. On va t'achever sur le terrain, puisque t'as pas envie de combattre, écoute. Et tomber! Ouf, oh la violence. Oh, il est en train de mourir, Rock. Oh là là. On le défonce. Mais là, là c'est fort là. 2, 3, allez. C'est la victoire. Donc là ouais, c'est le moment où il m'avait contré, là il allait peut-être revenir mais non. Pourtant il aurait pu, il m'a fait détomber mais il a pas réussi à aller plus loin. On s'est défoncé ici, mais violent. La violence. Il est tombé, on voit rien. On voit rien. Ouais, donc là c'était le foirage. Et le tombstone final qui a éclaté The Rock sur le sol. Ouf. Ça c'est du tombstone. Donc Undertaker qui reste champion, comme Kevin Nash, les deux sont encore champions. Le seul qui a perdu le titre en fait c'est Sheamus pour le moment. Avec un gros match finalement. Les tables brisées. Undertaker toujours champion. Et là on va partir direct sur le prochain match, hein, vu que c'est un match triple threat. Allez, prochain match. Ah c'est du gros match mais sans enjeu. Eh du coup, je ne sais même pas qui c'est que je vais prendre dans le tas. John Cena, Stone Cold Steve Austin et Ultimate Warrior. On dirait qu'il y a les trois, ouais, il y avait trois, les trois générations. Warrior les années 80 là. Hogan, Stone Cold c'est les années 90-2000 et Cena bah, les années d'aujourd'hui. Ouais, il y a les trois générations. On a la Golden Era, l'Attitude Era et la PG Era. Oh, on se calme, ils sont rentrés en fait, Stone Cold, ça va. Oui, j'essaie de reproduire public à moi-même tout seul, mais bon. 10 000 personnes qui chantent contre une personne qui chante, oui, il y a un changement. Et hop. Et là, l'Ultimate Warrior. J'ai mal à l'heure, j'ai pas envie de parler, quoi. Le Warrior, il est dans la place. Oh, c'est une lumière. Bon, on va se calmer aussi sur l'entrée, mais voilà, il est là. Donc,
Et oui. J'ai envie de jouer avec Stone Cold, moi. Donc match rapide, parce que sinon ça va être trop long. Les matchs triple threat, on connaît. C'est rapide ou lent, c'est tout le temps lent. Donc on va mettre en rapide, histoire que les finishers pleuvent. Ok, déjà on est en train de tabassiner à l'extérieur, sans pression. Oh là là, la violence. Je suis en train de mettre Sina Tarif. Tarif à Sina, je voulais dire Sina Tarif, ça veut rien dire. Et par contre, Toast Warrior qui se ramène dans le tas. Oh là là. Oh le bordel, c'est déjà le bordel là. Oh là. Ah, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. Oh là là. Mais c'est... Ah le bordel. Ah mais c'est moi qui prends le plus cher. Hey, Warrior, hey, on se calme. Attendez, c'est moi qui prends le plus cher. Ouais, Warrior, il a presque rien fait, Warrior. Ok, vas-y, moi je fais des doigts d'honneur, tiens. Je peux pas le taper. Il m'a ignoré. Tiens, Warrior, je me venge. Sina, tu n'as trop de vie. Oh le bordel. Eh tiens, eh tiens, eh tiens. Oh les coups spéciaux, tout spécial déjà. Ah. Je peux pas l'envoyer dans le ring. Oh l'enfoiré. Tiens, là dans le ring. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tiens! Allez, le stunner! Attention, il est derrière toi. Ah, bah oui, tu l'as pas vu. Non! Mais si là! Il ne me respecte pas. Ce n'était pas dans le plan, ça. Sina, t'as pas intérêt à gagner, par contre. S'il te plaît. Tiens! Retourne à terre, toi! Hop, c'est bon, vite! On remonte. Et là, on s'occupe de Sina. Ah mince, mais mon endurance, je l'ai pas vu. Elle est très très basse, enfin il n'y a plus rien en fait. Allez, on attend pas là, il y a Sina qui se relève déjà en fait. Oh, le coup de pied, heureusement tu l'as esquivé. Ah, Warrior va enfin monter dans le ring. Le pauvre, je le vire à chaque fois. Oh, oh là là, oh là, eh non, ça y est, allié, allié, il s'allie, c'est pas bien ça. Eh, mais attends, mais c'est plus que deux, il s'allie plus là, ça va sinon. Ah, ah oui, non, à quoi? Ah très bien, donc mon coup spécial a été contré par son coup spécial. Et en quoi son coup spécial est plus rapide que le mien? Ah, merci vraiment. Donc battez-vous. MDR, alors, meilleur coup spécial au monde. Merde, qu'est-ce que je fais? Ça fait 2 fois que mon coup spécial il passe pas. Et oh, je suis là! Coucou! Ouh! Eh, je suis là! Eh! Ouais! Ouh! Eh, ouais! Eh, ouais! Eh! Eh, je suis là! Tu m'as pas vu! Sina! Tu! Te lèves? Non, Warrior, couché! Ok, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Non, c'était pas le bon jour là aussi. Non, voilà, là c'est pas bon là. Bah ouais, mais. Ah là 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 là! Là, là c'est la galère maintenant! Là, ça va être la galère. Ah, merde. Ah, ouais, non, mais. Pas être un ordinateur à ce genre de. Sina, fais quelque chose! Ouais, voilà. Mais arrêtez, je suis pas une cible! Mais arrêtez! Ah, stop, Sina. Ah, bah, oh oui. Ah, bah, solo. J'avais oublié qu'il y avait un enchaînement. Sina, viens! Tu veux jouer avec les finishers? Fais le tomber, fais le tomber, fais le tomber, fais le tomber. Fais pas le tomber, fais trop tard. Tant pis. Ouais, voilà. Il a sa revanche. Non, mais arrêtez, vous avez des revanches, c'est pas moi. Sina, fais ta revanche sur Warrior. Non, mais pas moi. Arrêtez, je suis pas une cible. Voilà, c'est bien, vas-y. Je t'encourage. Tiens, ok, je t'encourage. Oh là là. Allez, Sina.
Je suis là pour t'aider dans ta conquête. Oh, si tu passes par là. Oh quoi? Tu m'as pas respecté? Tu m'as pas respecté? Il m'a rentré dedans. Casse-toi. Il m'a pas respecté. Oh là là, la galère. J'ai peur, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge plus, les deux bougent plus. Ah bah ok. Très bien. Écoutez, moi, je vais m'amuser à faire de la provoque trop longue, par contre. Trop longue, par contre. Et voilà. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors, sinon, son call t'es aveugle, il est derrière. J'ai voulu taper l'arbitre. On n'a rien vu. Vas-y, Warrior, vas-y, 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 fais-toi plaisir. Non, pas comme ça. T'es un finisher, c'est tout ce que j'ai peur. Tiens, l'arbitre, ça fait plaisir. Bah alors, sinon. Bah alors, faut pas te taper. Ah bah du coup, il a changé d'avis, il veut taper lui. Ah, couché. MDR. Mais, il me respecte. Mais j'avais mon. Oh là là. Et, du coup, les deux, ils vont se lever. Allez, Warrior, fais ton finisher. C'était génial, merci beaucoup. Ah, ah mince, il a aussi tombé lui aussi. Ah ouais, bah du coup, le temps que je place ça, le temps que je fasse le tomber, voilà, l'autre s'est déjà relevé. Ah, par contre, moi j'ai le droit en replay. Bah, et en plus, il va même me piquer le tombé. Voilà, j'en étais sûr. Ah, c'est chiant. C'est chiant, Sina. Hop. Tiens, j'ai plus d'endurance, voilà. On a plus qu'à tout recommencer. On va laisser se battre. C'est bien, on va remonter. Et endurance, par contre, elle fait quoi? Elle est en vacances? J'ai l'endurance qui ne veut plus remonter. Oh là là, c'est la galère ce match. Après, il est pas mal. Allez, saute-toi. Hop. On va attaquer les bras. Ah, je projette tout le monde partout. Oh là, ça y est, je suis la cible. Ça y est, c'est parti. Il va falloir s'amuser à contrer. Ah, 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 Sina, pour une fois, c'est bien. D'habitude, c'est moi qui prends tous les trucs comme ça. Ok, c'était génial. Allez, merci à tous. Non, ouf. John Cena. C'est de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu. Voilà, tu vas prendre ça. J'ai eu très peur là. Pendant un moment, j'ai cru que ça marchait plus. Et trois finishers, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, trois finishers, il y a moyen de faire un truc bien là. Il y a moyen de faire un truc propre avec des stunners un peu alignés. Le problème, c'est que déjà l'endurance, il faudrait qu'elle soit à fond cette fois. Et là, il faudrait que les deux soient debout. Il faudrait que. Voilà, un truc de ce genre. Et merci Sina, merci beaucoup, heureusement que j'en ai deux, putain. Oh là 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 là. Donc, on va abandonner l'île. Bande d'enfoiré. Mais. Il ne me respecte pas. Eh, hey, Stone Cold, qu'est-ce que tu fais? Non mais debout, hey, réveille-toi. Non mais s'il te plaît, on finit pas le match comme ça. Hein. Bagavé. Tiens, stunner sur un. Allez, le deuxième. Ah, ça me saoule. Ah, c'est. Oh non, j'ai failli rush quit là, les gars. Allez, il est là, il est à côté. Tiens, il va se relever. Mais c'est pas possible, il va faire quoi là? J'ai plus d'endurance, comment tu veux que je le dire? Viens, sors du ring. Ne compte pas. Hein. Dégage. Vite. Je fais le ton. Mais non. Vite, oui, il est tombé. Allez, oui, oui. Allez, un, deux, trois. Oh là là. Oh, j'ai eu peur là. J'ai cru que ça finirait plus. Hein. Le match de l'infini. Il y a eu trop de stunner là, il y a eu trop de. Il y a eu tous les finishers d'un côté. Mais... Oh là là. Oh là là. Oups. Ah, le stunner là. Oh le match interminable. Oh, allez, prochain match. Oh, il m'a saoulé celui-là. La fin était un peu longue à force. C'est pour ça que les triple threats, c'est bien, mais c'est chiant à un moment donné. Parce que les fins, tant que tu finis pas, tu fais tout le temps la même chose. Et finisher, finisher, jusqu'à qu'il y en a un qui peut plus venir faire le tomber, faut le virer en plus. Pas très, ouais, c'est pas top. Allez, le main event pour le titre WWE,
Donc le challenger CM Punk qui arrive. Donc c'est un match Extreme Rules, là on est bon. On est bon. Donc là Daniel Bryan, le champion. On va essayer de le contrôler quand même. Donc là le dernier match du live et de la soirée d'Extreme Rules. Là on est pas mal là. Avec le match interminable du triple threat qu'on a fait avant. Avec des stunners de partout. Ça ne s'arrêtait plus. Ok, on se calme. J'avais oublié d'en entrer. J'étais là. Qu'est-ce que j'attends? Voilà, donc W, le dernier match. On va prendre Daniel Bryan, évidemment, on va contrôler le champion. Voilà. La présentation des titres. Évidemment, il n'y a pas les voix, hein, sinon c'est trop fort. Le WWE champion. Championship. Championship. Pardon. N'importe quoi. Alors, c'est parti presque. Donc, Bryan, match normal, c'est le dernier. C'est parti. Ok, je fais n'importe quoi déjà. Je voulais attraper. Donc là, les épreuves de force. Ok, c'est parti. Hop, 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 hop. Ici. Ok, pour l'instant, ça va. On n'a pas eu trop d'épreuves de force ce soir. Enfin, ce soir, je dis ce soir, je me crois dans un show carrément. Aujourd'hui, du moins. Je ne sais pas. Le jour que vous voulez. Attention. Ah, je l'ai transpercé. Quelle technique. Oula. Oula, doucement. Eh oh, Punk là. Ça y est, il commence à. Eh, tu veux jouer avec tes coups de pied? Attention, hein. Bryan, il est fort en coup de pied. Oh. Oh, dommage. Ça aurait pu être beau. Ah. Oula, oula, là, oula, là. Je crois qu'il m'a bien eu. Hop. On va mettre un gros coup de pied, voilà, ça, ça calme. Ça, ça calme bien comme coup. Voilà, on va l'enchaîner au sol. On va lui briser les genoux. Et boum. On lui casse les genoux. Ah non, j'ai pas le temps. Oh si, il est super rapide. Oh, oh oui, mais j'ai pas le temps quand même. Oh, c'était quoi ça? Oh, c'était violent. Il a mis un kick, mais genre, il m'a pas respecté. J'ai cru qu'il allait sauter. Il m'a pas respecté. Bah, moi, je te respecte plus alors là. Là, tu me joues à non-respect. C'est parti. Oula. Viens. Dans les escaliers. Je joue au non-respect. Par contre, oui, c'est un match Extreme Rules, donc on est bon. On va le rattaquer les genoux, c'est bien ça. Passe. De chaise. Attends, il y a un problème, mon gars. On a pas vu de chaise, eh ben. Ok, c'était génial. Et... Non, je voulais pas faire ce coup de pied. Mais non, je voulais faire un drop kick, mais non. Là, là voilà, là ça passe évidemment. Oula, j'ai pris une évidemment. Qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, mange la chaise. Mange. Ok, elle est déjà cassée. Ok, prépare-toi. Moi je pars direct pour les yes kicks. Allez, c'est parti. Yes, hey yes, hey yes, hey yes, hey yes, hey yes, hey yes. Et ça finit pas si c'est bon. Ça finit. Yes, allez. Ah, je continue, je prends des objets, moi. Tiens, encore une chaise. Non, on va prendre plein de chaises. Ah, elle a disparu, bah, c'est celle-là. Eh, tiens. Qu'est-ce que tu vas croire? Eh, tiens. Oula. Tiens. Je dirais qu'il est vénère. Tiens. Ah, il m'a manqué de respect au début. Ah, bah, je lui manque de respect maintenant, moi. Hop. On continue. On l'agresse. Ah, la soumission. Tiens. T'attaques tout moi là. Oh les bras orange déjà. Hop. Oh j'étais. Ouh, oula. Elle vient dans le ring. Yes, yes, yes. Bah alors, bah. Oh, est-ce que ça marchera? Ah non, évidemment. Oula. Tiens. On va repartir pour des yes, allez. Jack. Hey yes. Hey yes. Hey yes. Hey yes, on s'arrête plus. Tiens, tiens. Et oh, boum. Oh, le défense. Dis-moi, Puck, là, tu... T'as pas envie de jouer encore. Hein. Pas possible. Non, j'ai encore fait cette prise.
C'est les deux gros matchs. Les deux gros matchs, ils sont simples. Je comprends pas là. On a fait des matchs avec Cesaro Sheamus. J'ai même perdu. C'était un match de ouf. Alors que c'est un match était là par hasard. Et un match de rivalité, il veut pas. Hein. Ouais, je le défends. Même moi, les comptes, j'arrive à le faire. Vous avez vu, j'arrive pas à contrer. C'est n'importe quoi. Bon, on va profiter pour faire le spectacle alors. Tiens, est-ce que je vais me faire contrer cette fois? J'espère que ça va pas faire comme Undertaker. Attention. Allez. Attention. Allez, quand tu veux. Oui, est-ce qu'il va me contrer? Non. Ah, bah il me contre pas du tout. Je crois que là, c'est un. On est en train de me dégommer. Foulala. Violence. Et le public, là, ils sont là. Bouh, c'est nul. Mais quoi, bouh, c'est nul. Et toi, tu pèses tes pouces, là, la femme en bleu, là. Enfin, le truc en bleu, je sais pas ce que c'est. Hop, bon, je continue, je sors des objets. Qu'est-ce qu'on prend cette fois? Oh, allez, on continue avec les kendo. Les kendo, c'est bien, ça fait mal. Tiens, ok. Tiens! Et on le tabasse, on voit rien tellement. Oh là là. Je suis en train de le dégommer. Bah, merde, c'est derrière toi. Oh là là. Allez, hop, on jette ça par là. Fais voir où t'en es, toi. Hop. Ouh, attention. Ouh, attention. Ouh, il revient. Est-ce qu'il va revenir? Attention. Oh. Je vais contrer. Alors, je sais que c'est pas du tout Brian ce que j'allais faire, mais je peux pas le faire. Je vais l'envoyer dans les barricades pour l'exploser. Il n'a pas eu de barricade explosée. Non, là, c'est maintenant. Hop. On va faire un peu de provocation. Ah, j'ai combien de finishers? Il y en a plein. Monte! Alors, il a pas envie. Bah, MDR. Mais il monte, le petit sort. Hop. Oh, il m'a pas respecté là. Non. Mais respecte-moi. Oh, j'ai envie de faire un truc de ouf, ouais, je sais ce que je vais faire. Punk, tu bugs. Ça va? Enfin, je te dis, mais tu bugs un peu quand même. Hein? Non. Punk? Ah, quand même. J'ai entendu dire, le gars, c'est il sortira plus de son bug. Oh, mince, vite, prends la table. Est-ce qu'on peut prendre deux tables? Bah, MDR, déjà, si j'arrive à la poser, celle-là. Ouf. Oh, c'était limite là. La table elle va tomber dans tous les cas quand il va se. Ouais. Ah, c'était génial. Est-ce qu'on peut prendre deux tables? Si on peut prendre deux tables, on peut faire un truc sympa. Est-ce que. Eh non, eh non. Le jeu il a pas envie. Peut-être qu'il y a trop d'objets. Je vais aller casser la chaise. Punk, viens ici. Ouh, allez, viens. Déjà, attends. Déjà, mec, elle est dans un truc spécial. Ah, autant qu'il monte, ça va être trop tard évidemment parce que c'est bien fait. Ah non, c'est bon pour une fois. Et le headbutt, pouf! Donc déjà on a les trois finishers. Attends, on va casser la chaise. Elle est pas cassée apparemment. Eh! Tiens! Attends, je sais. Tiens! Tiens! Mais casse-la! Elle se casse pas. Cette chaise est invincible. Ah, quand même. Donc là, je pourrais prendre une table. Une table. Une table. Pas du tout! Ah, c'est génial! Bon, bah, ça va être moins spectaculaire, mais c'est tout autant bien. Alors, on fait ça. On place la table par là, à peu près. Par contre, Punk, tu vas me saouler là, je le sens. Ouais, déjà, t'as tout décalé. Non, c'est bon. Oh, c'était. Oh, c'était pas mal ça. Punk. Voilà. Si ça marche, on va morfler dans tous les cas, les deux. Très bien, tu vas me contrer, c'est drôle, MDR. Oh là là, c'est relou. Mais. On va le taper, hein. Yes, 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 yes. Ah, ok, MDR. Ah, non, mais laisse-moi faire un truc spectaculaire, après tu fais ce que tu veux. Non, non, pas une soumission, c'est bugué. Non, 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 c'est bugué. Non, oh putain, yes, vas-y. Oh, putain, faut que je défonce mon bouton. Non, c'est buggé, c'est chiant.
Oh non, me refais plus de soumission, sinon j'ai perdu. Non, après, non. Il a tout gâché. Il a tout gâché, non. Pas de soumission, arrête avec ça, c'est pas possible. Non. Ah très bien, j'ai pas le droit de faire mon... Très bien, je voulais faire mon truc dans les airs, mais le jeu a pas voulu. Là c'est génial. Non, je vais perdre comme ça. Oh. Non mais punk, mais... Ah le jeu, je déteste quand il part comme ça. Oh non, je vais pas perdre comme ça, je t'avais tout fait bien. Putain, à chaque fois que je joue le spectacle, je perds. Allez là. Sinon j'arrête de jouer le spectacle tout de suite moi, mais... Allez, arrête de contrer. Allez, je m'en fous, ça passe ou pas là, c'est bon. Je vais au moins mettre cette souplesse. Ah, je peux enfin jouer le spectacle. J'espère que ça touche au moins la table, mais... Allez. Ouais, ça touche la table. Je sais pas, c'est moi, mais on s'en fout. C'est moi qui ai bouffé la table. Fou. Tout ça pour ça, hein. J'ai failli perdre le match. Allez, énervement là. Voilà, vas-y mec, je t'attends dans le ring. Attends, je fais un petit... Hop, on profite pour faire des yes. On va faire des yes à tout le monde. Moi, je fais le public qui réagit pas et c'est yes là. Ouais. Allez, viens. Punk. Mais que je viens de le mettre dehors. Punk. Allez. Allez, cours, cours, cours. Allez. Yes. 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 Et t'as pas à contrer. Yes. 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 Yeah, allez. Oui. Allez. Le tomber. Et un. Et deux. Et trois. Ouais, c'est fini. Oui. J'ai pas perdu le match et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Yes. Ouf. Yes, MDR. Bon, on a réussi à finir le match. Le dernier match. Un match. Ouais, c'est un match. Le dernier combat. Au début, Punk 2. Ouais. Oh, oh, pas mal. Oh. What? Ah, pas mal le bug du replay. Il y avait pas ça tout à l'heure. Ou alors, on n'a pas vu. J'ai pas vu, alors. Ah, c'était pas mal ce bug. Et là où j'ai failli perdre. Oh là là. Ah, c'est pas long. Et là, ah oui, c'était le bon moment là. Le gros moment. La suplexe sur la table. Mais je crois que c'est moi qui bouffais la table, on est d'accord? Oui, c'est moi qui bouffais la table. Mais c'est pas grave. Elle a échoué, il bug encore. Bah, décidément, à chaque OMG moment, il bug. Voir, c'est peut-être vous. Mais ça m'étonnerait parce que c'est bizarre. Et le coup de genou final. Brian qui conserve son titre dans un très gros match. Du coup, il garde le titre. Oh, on a fait quand même 1 heure de live aujourd'hui, c'est pas mal. Ah, un peu plus même. Qu'est-ce que je raconte? Ah, mais non, il n'arrive pas, il n'y a rien. Brian qui a toujours le titre du coup. Ah, je me suis perdu dans mes pensées, je suis désolé. Ok, on va aller voir les, enfin, les news, ce qu'ils ont dit. Le show qui est fini. Ah bah parfait, en plus c'est Extreme Rules, il y a Adrien Brian dessus. Ah bah, hé, hey, elle est là. Bah, c'est génial. Et comme ça, on va aller voir la carte du prochain show. Alors. Du coup, on a, ouais, ça va être, on a déjà tout fait. Et Undertaker a réussi à conserver, remporter, défendu, champion exceptionnel, ok. Donc il n'y a eu qu'un changement de titre je crois, et c'est celui de Sheamus, qui du coup, ah bah Cesaro du coup il est au calme lui, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais le gars il, ouais. Et il a des titres, il est titré 2 fois, il manque juste un gros titre et c'est bon. Donc voilà, la carte finie. Et voyons voir la carte pour le prochain show là. Ah mais oui! C'est vrai, j'ai mis Randy Savage. Oh bah putain, on commence déjà fort. C'est plus un rôle là. Ok, donc prochain
prochain show du prochain live, déjà on va commencer par un très gros match. Un petit match des divas, ok. Ou le début de la rivalité. Ah ouais, mais attends, la rivalité elle n'a plus aucun signe du coup. Parce que j'avais mis une rivalité Sheamus, mais comme Sheamus était champion, et qu'il est plus champion. Ouais, mais vu qu'il est en rivalité, César, on peut laisser quand même la petite rivalité. Donc c'est bon. Voilà les rivalités, hein, si. Pourquoi Stone Cold? Ouais, pourquoi pas, rivalité automatique, allez, c'est cool. NXT, tout, on verra plus tard. Donc du coup, c'est rivalité à l'arrache, on va dire. Les rivalités par équipe. Ah oui, donc on a des gros matchs pour la prochaine fois. Voilà. Bon, en tout cas, merci aux personnes qui sont passées. Si vous êtes passées, à ceux qui ont follow. Oh là là, mais je ne sais plus parler, moi. Du mal aujourd'hui. Voilà, c'est le moment des adieux. Et voilà. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner sur YouTube. Vu que c'est rediffusé toutes les. Toutes. Ah, mais j'arrive plus à parler! Je vais me mettre des claques, ouais. Toutes les vidéos sont rediffusées sur YouTube. Surtout cette vidéo, mais je pense que ça va être surtout la semaine prochaine, celle-là. Le temps que je diffuse la suite du mode univers. Vu que c'est la suite. On a déjà fait un mois de mode univers, c'est pas mal. Il y a eu pas mal de choses, dommage que les rivalités ont bugué. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, à plus.